Donc, nous avons gagné pour nous mettre 800 personnes dehors. Nous avons fait travail. C'est dans l'esprit pour nous garder comment nous sommes capables de décourager les gens qui vont aller dans la manifestation qui a fait le 18 novembre. Pendant que nous avons travaillé, tout le monde a commencé à marcher très bien. Donc, nous avons fini le travail dans vendredi. À mon grand étonnement, nous sommes dans samedi. Tichli relève le téléphone. Il dit qu'on a quitté un chèque pour moi dans la délégation. Il faut venir pour mettre un chèque. Et là, ça me donne dans la foule de l'école qui va s'estimer. Elle me dit non, je ne suis pas déplacé pour mal un chèque. Parce que je me presque comprendre un piège qui a attendu pour moi dans l'hôpital. Je ne pas voulu aller. L'aime que nous quittons là, tu insistes du Condé, pour nous ne pas dire que c'est ou pas les pays, pour un chèque là. Nous avons 4 personnes qui nous accompagnent, parmi lesquelles Lubin qui est membre G40, comme nous avons une équipe dans l'arrière tout. Nous disons Lubin, il y a 3 autres personnes qui nous accompagnent pour nous montrer mon chèque que je vais recevoir. Effectivement, je vais mettre mes chèques là, c'est 10 chèques que je vais mettre, mais ce n'est pas de délégué. Je vais montrer Lubin et les gens qui étaient là, je vais mettre mon chèque là qui équivaut à 24 000 dollars. Alors en dollars, il y a 4 800 dollars. Mais même jeudi samedi, je vais aller à la banque, je vais changer chèque là. Je ne vais pas les personnes qui viennent chercher l'argent. C'est là où on est mis en place et puis tout le monde qui monte. Étant donné que même le chef d'équipe me reconnaît, ça ne me reconnaît pas payer. Qui vient faire que même me permettre que je paye le chef d'équipe le samedi, peut-être que je suis capable d'aller, je suis capable de payer les gens qui travaillent avec moi. Et je vais liste pas maintenant là, à monter ça qui est dans le même temps, je vais permettre que nous ayons un chef d'équipe là qui est à l'île pour nous donner le nom de gens qui me payé. Nous avons Jean-Louis Velle, qui a gagné une équipe, qui a touché 1 800 dollars. Nous avons gagné un groupe 110 femmes, qui a gagné une équipe, qui a touché 1 770 dollars. Nous avons gagné Domingo, qui a gagné 3 équipes, qui a touché 5 310 dollars. Nous avons gagné l'UBG 40, qui a gagné une équipe, 1 800 dollars. Nous avons gagné Michel Junior, qui a gagné une équipe, 1 800 dollars. Datis Naken, une équipe, 1 800 dollars. L'UBG Jean-Joseph, une équipe, 1 800 dollars. Joseph Pierre-Emilien, une équipe 2600 dollars. Denor Wisnor, une équipe 2250 dollars. Gestion militant, une employé, il touche 2300 dollars. Okay. Maintenant, bon, notre discussion, ça est la gestion militant. Nous connaissons ces partis politiques président, nous connaissons depuis qu'on peut tomber. Si nous n'avons pas d'assainissement, nous connaissons que la prime quand même, une de on check. Et c'est bagaille, président lié. Donc, nous connaissons le président qui a plus de difficultés dans l'arrière. Maintenant, là, j'ai monté, j'ai dit, ah, monsieur, étant donné que je connais nos partenaires de l'issue, je suis obligé de faire un petit chèque, comme si vous étiez monté encore. Maintenant, là, j'ai venu, j'ai été capable de 100 dollars, j'ai été capable de 50 dollars. Tout c'est dans l'esprit pour te calmer, maintenant, pour que je ne sois pas trop excité, parce que je ne suis pas venu. C'est ça, la gestion militaire. C'est bien. Nous avons Wilgen Joseph, qui a une équipe, qui a touché 1 800 dollars. Nous avons Sylvain Wizet, qui a une équipe, qui a touché 1 800 dollars. Nous avons Bail Taxi Matéli 4 chemins, qui a une équipe, qui a touché 1 800 dollars. Nous avons Bail Taxi Cité PPLS et William Milka, qui a touché 1 800 dollars pour une équipe. Nous avons Benjamin Junior Bail Taxi Seprem, qui a touché 2 200 dollars. Nous avons Levé La Rionel Cité Militaire, qui a touché 2 200 dollars. Nous avons Pascal Bergeau, qui a une équipe, qui a touché 1 800 dollars. Nous avons Superviseur Bergeau, qui a touché 240 dollars. Nous avons émergé Taxi Vert, 2200 dollars pour une équipe. Nous avons Jean Maudler. Alors, ce n'est pas émergé, c'est meilleur. Ok, meilleur. Nous avons Jean Maudler, Base Taxi, la différence, il touche 2200 dollars. Nous avons Esna, Jean Lamour, de Mapoul, il touche 1800 dollars pour une équipe. Nous avons Auguste Luxon, Golobo, il touche 1800 dollars pour une équipe. Nous avons touché G40, il touche une équipe, il touche 1800 dollars. En gros, c'est pour ça. Alors, tout ça, on a celle qu'on a vu par nous, parce qu'elle va en total là, total là, il est monté à 46 670 dollars, soit 233 350 dollars. Mais il était là même, une balance de 1300 dollars. Mais il y a 3 chèques qui dehors encore. Et que le délégué lui-même, ça le fait, il était prend un montant qui équivaut à 960 000 dollars. Les diviser en 4 personnes qui étaient dans le comité. 10 lits dans un montant, même j'avais 40 000 dollars. Maintenant, nous gagnons et individual, les gros montants, 44 000 dollars. Même. Et nous gagnons Romelus qui du côté des Port-Salut, les gagnons un montant de 44 000 dollars.
tout, mais même parler ça me fait à la grande femme. Et moi dis, c'est pas moi qui t'ai les vins touchés. Les gens qui viennent à la caméra, jeudi, samedi, mais tu es obligé, ça me reconnaît et me connaît dans l'arrière, moi paye. Tout, trois chèques, ça yo, pas dit pour bon rapport, d'ailleurs, je ne sais pas si tu as gagné pour bon rapport. Même quoi que, et cette disposition que nous prenons là, pas gagné un monde qui te travaille dans l'assainissement pour ne pas toucher. Ça, c'est clair. Parce que c'est parti président, nous gagnons pour nous faire relever des noms de chefs d'équipe qui là, qui ne peuvent pas toucher. Et l'autre trois chèques, ça va nous jouer.